Ce n'est pas qu'une simple palmarès de mots, mais une boîte à pharmacie pour soigner les mots. Ce n'est pas qu'une simple poésie, il renverse la tendance, ce n'est pas de la magie. Une plume à l'encre indélébile, une lance qui ramène la raison même si tu es débile. Aux côtés du social ou du développement, aux côtés des cœurs brisés ou âmes contriées, c'est une source qui débarrasse du désagrément. Juste un mot pour changer toute une vie. Avec lui, on ne vivote pas, on vit. Parti de rien, pour moi c'est un médecin. Je n'ai pas besoin d'en faire un dessin, mais c'est une force pour participer au dessin. Sans comprendre, j'ai vu ma peine disparaître. Les yeux fixés sur le canapé, il m'a changé, je dois l'admettre. Le slam pour moi, c'est le corps, l'esprit et l'âme. Il fait couler les larmes, oui, les larmes de joie et de réconfort. Je donne mon exemple, il m'a rendu fort. Loin de l'anarchie, il a changé le comportement des politiques. C'est sans critique. De ville au village, de village au hameau, tout le monde reste bouche bée, sans mots. Le slam ne se focalise pas que sur la compétition. Il participe aux pétitions, des lobbies et des plaidoiries, loin de la religion, loin des anéries. Aujourd'hui, nous sommes une légion, une armée au gain de mots pour guérir les mots, participer au développement et changement. Le monde nous a acceptés, finalement. Calebas challenge. Je ne suis pas un challenger. I will not change the world. Pas un challenger. Les armes, pas le slam, sont pénétrées par la force profonde. Il ne faut rien confondre. Juste un instant pour écouter. Oui, juste un instant pour écouter. Un saint dans un slam saint pour un monde meilleur, futur saint. Appelez-moi simplement Fakir le Saint.